150. Mais c'est mon aveuglement qui fait des dégâts? Ah non, je crois pas. Oula, oula. Cet adversaire ne me dit rien qui m'a. Mais s'il meurt avant, je peux rien faire. C'est quoi ce plan? Il meurt avant à chaque fois. J'ai trop de dégâts. J'ai trop de dégâts pour la difficulté difficile. Ça devient un problème. Et en fait, il aurait fallu que je commence la première série en difficile et que celle-là je la fasse en expert, clairement. Un coup brutal. Ok. 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 C'est ridicule. Ah, élite. Oh, beaucoup d'élite. Alors, on va commencer par ramasser ça, ensuite on va attirer un petit peu les gens. On va essayer de les tuer. En vrai, c'est un peu galère. En vrai, c'est un peu galère. J'ai mal géré mon coup. Mais... Allez. Allez. Chiné. Meurs. Alors je cherche des mobs, en voilà. Le combat est terminé. Oups. Oups. T'en vas pas, reste avec moi. Des faucheurs. Les dieux frappent par ma main. Très bien. Désolé pour la déco de souris encore une fois. Je ne peux pas encore le faire. Bon, j'ai trouvé un coffre resplendissant avec un petit peu de stuff, notamment des gants. Là, on va essayer de tuer le gobelin. Attends, tue le gobelin. Ah, j'ai pas assez d'esprit. Je vais pas pouvoir faire ça. On va devoir le tuer à la main, à l'ancienne. Allez. Voilà. Les flots infinis vous brisent. Il reste quand même 8 ennemis, donc j'ai dû en rater. Ils sont là-bas, ils sont tous paqués là-bas derrière la porte. Ils me disaient bien que j'aurais dû ouvrir cette porte. Voilà. Voilà. Je suis pas sûr de vraiment apprécier le comité d'accueil. Bon. Je crois qu'ils n'ont pas apprécié l'expérience non plus. My god, c'est quoi cette arme? Ah bah oui. Moi j'ai dit plutôt oui. Mais je one shot tout le monde, c'est un peu ballot. Ah, c'est toi que j'attendais. Comme c'est mignon. Bon, et le boss maintenant?
Massacrez-les tous! Ils sont tous morts et nous pas. Moi j'appelle ça une victoire, pas vous? Alors, qu'es-tu vent, tu es gros de croc? Mince, ça n'a pas marché, j'avais raté ma. J'ai dû rater ma marque. Ouais, encore une fois, ça n'a pas marché. Dommage. Bon, ça va qu'on a les dégâts pour le tuer très vite, mais. Alors, son fer béni pour planer. J'ai pu décrire qu'il s'agit d'un ordre fondé il y a 200 ans. Lorsque. Alors, l'idée, c'est d'appliquer la marque sur un. Ah, mais c'est parce que j'ai pas assez de. D'esprit en fait, ce que j'y arrive pas à appliquer la marque. De Naïblem. Ah. J'ai profité de ce petit aller-retour pour claquer quasiment tout mon fric. 500 000 pièces d'or pour acheter deux onglets de coffre. C'est pas forcément la priorité, mais la. Il allait bien falloir le faire un jour, on avait déjà payé les artisans. On n'utilise pas beaucoup d'ailleurs les artisans. Actuellement, j'utilise le forgeron un petit peu plus pour me faire des items. Mais là on est tellement tranquille en dégâts que. Alors. Comment on va se débrouiller? On va lui appliquer la marque. Et voilà. C'est pas exactement ce que je voulais faire, mais c'était à peu près ça. Dans le principe. J'avais l'idée. Ok. Alors il en reste un. On a fini l'objectif en fait. On a tué Grond de Croc. Je m'en suis même pas rendu compte. Vous avez perdu. Je ne ferai pas cela. Bon bah du coup on va se barrer. Faut qu'on aille tuer le bon vieux Asmodan. Une quête assez agréable aussi puisque il suffit d'aller tout droit. Pas encore le faire. Alors ruser avec ses succubes. Oh. Attendez. Il y a la bête de phase, mince, j'ai pas pu. Elle est morte trop vite. Voilà, ça c'était bien. Ça. Bon, lui on doit le tuer à la main du coup, mais c'est pas grave. Alors, qu'avons-nous ici? Les spectateurs de l'event qui vont donner du coup une page. Je les revends les pages, hein, j'en ai rien à faire. Je les ai déjà utilisées. J'ai déjà eu le haut fait sur un autre compte. Je sais plus à quoi ils servent les pages d'ailleurs. Bon, c'est juste les avoir et puis basta. Vous avez le haut fait quand vous les avez trouvé les 7. Nice. Il est venu se coller à lui. Parfait. Alors, on est parti. Évidemment, on n'a pas un pet d'esprit, mais ça devrait aller. On va juste maintenir le clic gauche sans bouger. Non, je vais bouger parce que je voudrais quand même éviter ces boules de feu, quoi qu'ils me font zéro dégâts. J'ai pas réussi à l'éviter. Ah, je peux utiliser ces renforts pour ça. Bon, là il est mort, du coup, ça sert à rien que je le refasse. C'est ici que finit ta misérable vie. Je ne veux pas me transformer. Encore les sécateurs de l'event. Faut que je trouve le sanctuaire maudit, je sais pas du tout où il est. Je crois qu'il est dans. Ouais, dans une zone en contrebas.
on passe sur une passerelle au sud qui tourne vers la gauche. Et au moment où ça tourne, vous pouvez prendre les escaliers pour descendre en contrebas. Donc du coup, je vais plutôt aller vers le haut là-bas. Je vais tourner, c'est pas si je peux tourner à gauche. Bon voilà. Et pas du tout. Pas du tout, du tout. Alors du coup, c'est la... C'était l'œuvre de Lazare, j'en suis certain. Lui seul avait l'oreille. Vos faiblesses sont révélées. Ok. Ah, c'est un sanctuaire maudit, d'accord. C'est encore autre chose. Ok, niveau esprit, on est bien là. Okay. Tant que je fais ça, je suis bien. La tâche montre qu'un prêtre haut placé du Zakharoum, appelé Akan, avait commencé à sentir la corruption qui rongeait le cœur de son église. Ce n'est pas un portrait. Ok, on a réussi. Mais sauf que j'ai plus d'esprit. Du coup. Ok, c'est bon, c'est passé. Après de longues... Némé avait perdu tout semblant de raison. Il écumait de rage, nous agonisait d'injures, maudissait nos trahisons. Pendant le grand chagrin, j'ai dû le passer au fil de l'épée. C'est sympa, ça, comme explosion. On va peut-être cancel leur histoire, là. Voici Beden le balafré. On va tuer en à peine un combo. Hop là. Et sauf qu'il reste encore quelques mobs à choper. Ce qu'on va faire ici très facilement après. Allez. Voilà. Ah, il y a un mob. Il y a un boss, je veux dire. On s'est mis bien là quand même. On a fait ça rapidement. Vous voyez que, comme je le disais pendant la première série, quand vous avez une difficulté trop élevée, ben ça prend plus de temps alors que là on clean super vite. Jeune Goran Koshi. On doit tuer, très bien. Un noble qui vient être enterré là. Oula. La tempête se déchaîne. Ah bah alors, vous êtes le one shot. Ok, on a la vision sur John Coffin. Il est encore un petit peu loin. D'autant qu'on est déjà à 50 sur 50. Il est dans la prochaine salle. Allez. Voilà, il est là. Sanctuaire béni profané. Et l'ami John Coffin, bonjour. Alors je vais tuer ton pote d'abord, comme ça va nous aider. Ah bah. En fait, on vous a tué en même temps du coup. Alors, tuer Véminite dans les cavernes d'Aranea. Okay, je vais prendre le gel, mais c'est pas grave. J'ai pas le temps de me TP out. Les ghouls ont plus de force que la plupart des autres morts vivants. Et l'origine de cette vigueur est abominable. Ils se repaissent de chair humaine.